Yon l'autre fois, go, bonjour, bonsoir tout le monde. Merci pour fidélité nous avec l'équipe Mombad Mediana là, depuis Mombad de Police. C'est un plaisir pour nous rejoindre pour yon l'autre vidéo. Si c'est la première fois visiter nos informations, nous partager ou intéresser ou, pas oublier abonner avec Mombad Mediana et puis ouvrir chaîne notification. Ça permet de faire partie de l'équipe notification Mombad Mediana là. Bien, nous pas perdre du temps. N'a pas commencé. Cool, yeah. Mesdames, Messieurs, de la presse parlée, écrite et télévisée, je voudrais vous remercier d'avoir répondu à notre invitation à ce point de presse. Le prétexte est que le gouvernement a reçu ce matin des représentants de la Chambre de commerce et d'industrie d'Haïti, de la Chambre de commerce haïtiano-américaine AmCham, et des représentants du secteur privé des affaires. L'objet de la discussion a concerné principalement les modalités de respect et d'application des mesures d'affichage des prix en gourde prises dans le cadre d'une maîtrise de l'inflation et de stabilisation du taux de change du dollar américain. Le délai de mise en conformité du commerce avec ces nouvelles mesures, est prolongée jusqu'à lundi. Cela signifie qu'à partir de lundi, des dispositions seront prises pour s'assurer que les prix sont affichés dans le commerce partout sur le territoire national en gourde. Le gouvernement, à travers le ministère du Commerce, restera également à l'écoute pour accompagner les entrepreneurs tout au long du processus. Le gouvernement a décidé d'intervenir sur le marché de change ainsi que des biens et des services à travers ces mesures. Parce que la distorsion du marché haïtien est telle qu'on ne peut pas avoir un processus de maîtrise de l'inflation et de stabilisation du taux de change qui soit uniquement impulsé par les mécanismes du laisser-faire du marché. Et pour cause, depuis la libération du taux de change du dollar dans les années 90, le marché haïtien réagit par une dollarisation partielle de l'économie, la disparition des frontières entre les transactions nationales et les transactions internationales disparaissent. Sur le plan national, actuellement, la quasi-totalité des transactions est effectuée en dollars américains ou en gourde indexée sur le taux du jour. Aucun bien, aucun service n'y échappe, y compris le paiement des loyers ainsi que des frais scolaires et universitaires. Et le pire, c'est ce fameux taux du jour qui est fixé unilatéralement par le vendeur ou le prestataire lui-même à son propre profit, avec le plus grand mépris qui soit pour le taux de référence de la BRH. D'où apparaît un effet pervers. Tout le monde cherche à faire l'acquisition et à accumuler des dollars américains qui sont en réserve et souvent à la maison. Anticipation négative qui aggrave à la fois la pénurie des dollars et la décote de la gourde. On s'empêtre alors dans une sorte de cercle vicieux. Plus le dollar se raréfie, plus son coût d'acquisition est élevé et plus les transactions liées à l'importation sont coûteuses. Pour un pays comme le nôtre, qui dépend de l'importation à hauteur de 80% environ, quant aux produits de consommation et des intrants, les conséquences d'un tel emballement du coût d'acquisition du dollar sont catastrophiques en termes d'inflation. Les mesures d'affichage des prix en gourde sont liées à d'autres séries de mesures. L'injection des 150 millions de dollars sur le marché de change par la BRH, la maîtrise des dépenses publiques pour éviter de recourir au financement monétaire du déficit
Et en ce qui concerne l'affichage des prix en gourde, c'est un outil qui nous permet d'agir à très court terme sur une variable simple, la monnaie des transactions sur le territoire national. L'objectif est de rendre disponible le dollar américain pour les transactions liées à l'importation et où il n'y a pas d'autres alternatives. C'est une façon de faire baisser la tension sur le marché d'échange de cette devise. Pour des réponses structurelles, le gouvernement a lancé le processus d'élaboration des plans de la relance économique COVID-19 2020-2022, qui s'articulera les politiques macroéconomiques, politiques monétaires, politiques budgétaires, politiques commerciales et industrielles. J'invite à la fois les commerçants et les prestataires de services à collaborer avec les autorités pour le succès de ces mesures dans l'intérêt du peuple haïtien. Je termine pour remercier nos partenaires du secteur privé des affaires qui financent le budget du pays et nous leur promettons de rester sereins, de continuer avec des discussions actives pour continuer à prendre le secteur privé formel et investir pour que l'informel devienne formel. Je vous remercie. C'est avec un grand plaisir pour moi accueillir nous matin et dans la conférence de presse là. Nous capable dire objectif conférence de presse là, c'est pour nous informer public là, informer tout le monde directement qui plus concerné, nous sommes capables de dire en l'occurrence le commerce qui est affecté et nous sommes capables de dire sanctions qui doit prendre dans le cadre fluctuation de là. Devant yon gros difficulté consommateur haïtien yo yo trouvé yo confronté et par rapport avec dépréciation goud la par rapport au dollar là que nous constater sous marché là et li traduit yon phénomène accélérer dépréciation goud la par rapport à dollar la. Ce qui provoque une conséquence socio-économique déplorable et grandement sous pouvoir d'achat membres population haïtienne. L'été normal pour le gouvernement à travers le ministère de commerce et industrie pour prendre position et le positionner. De fait, le ministère de commerce et industrie fait sortir communiqué 003 dans la date 7 août 2020 qui a joint tout acteur et lui informer acteur économique pour respecter toute disposition dans arrêté qui te prend 19 septembre 2018 là qui fait yo obligation pour yo afficher en caractère visible et lisible prix tout produit en goud qui c'est monnaie nationale là devant tout refus pour obtempérer
ou gagné dans acteur yo sous marché a ministère commerce demandé yo pour yo prendre toute disposition afficher et libeller prix yo en goudre. Ministère commerce li wel dans l'obligation pour le sorti communiqué 004 là dans date 31 août qui s'est passé là pour fixer un délai et après délai ça yon moun qui t'a refusé obtempérer et y a sujet des sanctions. Sanction que moi-même m'bra le parler là yo. Certains comportements affichés par certaines entreprises yo continuer contribuer accélérer et cela jusqu'à ce que nous pral gagner quelques jours yon certaines baisses nous garder nous ouais à partir de hier côté dollar là li sorti li rivé à 105 good pour un dollar une appréciation qui contribue à faire baisser pouvoir d'achat population en garder communiquer que nous capables li ensemble avec moi nous dit fok moun yo affiché en caractère lisible les prix des produits en vente dans leurs entreprises commerciales ou autres respectés scrupuleusement dans leurs transactions de change le taux de référence journalier fixé par la BRH cessé d'établir par anticipation les marges bénéficiaires exorbitantes en supputant d'éventuelles hausses des prix à leur prochaine commande. Lesquelles marges injustifiées ne sont pas fixées sur la base des prix de revient des marchandises vendues. Les différentes sanctions prévues. Les sanctions prévues pour faire face aux écarts constatés sous Machéa après visite inspection ministère commercial dans Joukap Vinian pour pral entamer après 72 heures de fin passé. Tout le monde qui refusait respecter ça, eh bien, ministère est capable de refuser octroyer une autorisation d'importation dans le pays. Ministère est capable de refuser délivrer une carte d'identité professionnelle également. Recours ministère commerce à titre de sanction, nous capables de mettre en veilleuse, river jusqu'à suspendre ou bien supprimer non entreprise ou bien recalcitrant ça dans le registre ministère commerce et industrie. Voilà donc dont nous avons une conférence de presse là matin pour nous être capables d'informer toute population, en particulier les qui concernent, c'est-à-dire les consommateurs que nous connaissons, les revenus
c'est en goud lié et y a exigé yo à chercher dollars pour payer ça y a consommé. Voilà en gros notre intervention ce midi. La première question, monsieur le ministre. Pas tellement. À partir de qui de la protection? Et il commençait depuis hier. Il commençait hier. On connaît 72 heures de temps. Et combien de jours il bat où? Et encore, je suis capable d'informer nous. Après communiqué 004 là, il est sorti. Eh bien, gagné la chambre du commerce qui écrit nous. Et qui m'a dit nous une rencontre en ce qui concerne, eh bien, nous pourrons arranger pour nous rencontrer avec Chambre de commerce et demain et dans résidence officielle Premier ministre. Et dans rencontre ça, a gagné gouverneur BRH là, et le ministre du commerce et le Premier ministre et Cap là dans rencontre ça. Monsieur le ministre, je vais informer tout le monde. C'est bien que changer l'idée des prix au bout, c'est ça que le gouvernement a imposé à un commerçant. Mais est-ce qu'on ne va craindre que, par exemple, on produit 4,20 dollars et voici je dis, et puis, comme ça, pour nous, on est pour libérer, et puis on décide de libérer 3,000 euros, par exemple. Qui contrôle la question ça? Mais écoutez, c'est la raison pour laquelle, que moi, je dis tout à l'heure, que nous avons batterie, inspecteur, qui guettant la captain. Expiration date que le ministère commerce mandé pour nous libérer tout prix affiché en good monnaie nationale là. Automatiquement, yon moun pas respecté taux référence BRH là. Ou qu'on arrive dans un magasin pour l'acheter. Taux référence BRH là, les X, et puis nous avons dit un bon exemple clair. Je dis, nous dit les 105 gouttes pour un dollar. Et là, on paraît dans l'entreprise là, je dis, ok, on n'a pas de problème, il y a un dollar là, il y a un goutte là, mais à la seule différence, nous même taux pas nous, c'est 125 ou à payer. Eh bien, automatiquement, au monde, ou jouen bagay sa yo, au niveau ministère commerce, ou pas besoin inquiéter ou mettre vini là, et puis nous même n'ap sorti, inspecteur ap sorti. Et le sa, moun sa pa gen l'autre bagay non, li tombe sous loi décembre 1946 là. Sa li relo spéculation illicite marché noir lié. Parce que faut moun yo respecter la loi. Le moun nan fait ça, c'est une sorte de anticipation. Li di ou li pa konnen ki le tout. Jante do la fluctuation a fait là, jodi a ou gen doit gagner goud la qui dévalue net et puis dollar la li monte. Eh bien, il faut anticipation, il dit l'elle pour l'acheter pour ne pas perdre. Non, ce n'est pas vrai. Depuis moun nan appliqué le taux référence BRH là, pas gen pet poule. Et le moun nan fait ça, non seulement il fait profit sous dollar là, il fait un paquet de profit tout sous produit la vente là. Nous pas capable d'accepter bagay ça. Je dis à la garder quantité moun ki la nous même journalistes yo. Mais c'est un goud nous toucher. Et puis ou wè ou ils vont côté, yo 200 dollars pour payer. Et les ça ou ap marcher, frapper tête tout côté pour joindre dollars pour payer. L'école yo k'ap exiger moun pour payer dollars. Yo tout fait partie de pour notre transaction financière ça yo tout fait partie des travail n'a fait là que nous même dans ministère commerce nous dit gagne un décret qui te prend 19 septembre 2018
il faut que le décret ça il respecte. C'est ça. Voilà. Et merci avec tout le monde qui t'est branché pour t'es capable de nouvelles informations. En tout cas, tout le monde, merci parce que nous t'es branché. Pas oublier vous nous abonner avec chaîne là. Et toujours songez pour activer la cloche là. Les nous lagons vidéo pour être capable de jouer nous. Son babis à chercher pour lui. D'accord? Eh bien, passons agréable journée tout le monde. Une agréable soirée si c'est matin. Bon matinée.